bon Dieu béni en tout, c'est un honneur pour moi, c'est plaisir pour moi travailler ensemble avec vous tout. Non, je n'en pense que d'habitude, c'est pas moi-même qui compte travailler avec vous. Donc, je dis bon Dieu merci. Je dis bon Dieu merci pour ça. Bon Dieu, fait le Jean Lévy. Je dis bon Dieu merci pour ça. Gloire à Dieu. Et moi, salue nous tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Peuple haïtien, puisse nous suivre. Et que grâce et paix, mon Dieu, avec nous. Amen. 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 Nous lançons samedi 25 septembre et 2021. Nous lançons mois de la vie éternelle. Amen. Nous lançons année de grâce. Voilà. Alléluia. Et qui ça nous joigne? Nous joignons et. Référence nous pour moi de la vie éternelle là, nous jeûnons dans 1 Jean 5 verset 12. Que m'appelez-vous? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et moi je t'ai cherché un texte de référence pour nous. Texte de référence là, nous jeûnons dans Jean 6 et les versets 68 et 69. Qui ça lui dit? Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Gloire à Dieu. Merci, oui. Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu grand Dieu tout-puissant, papa, nous qui est dans le ciel là, mais moi, Seigneur, moi, pas en rien. Et sans vous-même, moi, pas capable de faire en rien. Et c'est ça que fait dans le moment, ça me demande autant pris. Remplis-moi avec puissance, Saint-Esprit. Prends contrôle, bouche-moi. Prends contrôle, l'esprit, prends contrôle, nomme-moi. Afin que vous capable d'oser pitié tout le monde. Ou même qui est dans le secret des lieux, ou qu'on ça chaque temps de vous-même. Ou quand qui réponse yo chaque appel dans mon Seigneur. Seigneur, parlez. Parlez afin que le peuple soit capable de bénir. Moi, prie au conseil dans le nom précieux de Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Jacques, dans chapitre 4, verset 8, lui dit-nous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment que nous capables d'approcher nous de bon Dieu? Par quelle façon que nous arrivons bon côté? Pas oublier que bon Dieu c'est esprit. Et là nous ouais réponse que Simon Pierre et Jésus, lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça veut dire que nous sommes là, que Jésus, c'est pont qui pour mener nous, by bon Dieu. Nous voyons que nous avons plusieurs ponts. Nous avons plusieurs ponts dans tout le pays. Bon côté nous là, nous avons Washington Bridge, nous avons Tappenzi, nous avons Brooklyn Bridge. Mais pour ça, quand la parole l'a dit, quand le proverbe l'a dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais chemin qui mène dans la vie éternelle là, chemin qui mène beaucoup de bon Dieu à qui pour faut approcher beaucoup de bon Dieu à, lui, c'est un seul lié, lui relé Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Amen. Jésus-Christ, le Saint de Dieu. Et parole là, parole bon Dieu dit nous, li voyez petit li Jésus-Christ vin établi yon pont entre lui-même avec les hommes. Li voyez Jésus comme sauveur. Li voyez Jésus comme guérisseur. Li voyez Jésus comme conseiller. Li voyez Jésus ban nou comme berger. Li voyait Jésus banou comme intercesseur et li voyait le banou comme protecteur. Alors,
On nous songe tout ça Jésus t'a fait. L'élite vive sous la terre. Et tout de suite, n'a pas comprendre que li capable faire encore pour nous, pour moi-même avec vous, je dis. Li capable faire encore pour moi-même avec vous. Parce que le désir va le préparer en place pour vous. C'est que le toujours avec vous. La pensée à nous-mêmes. Il pas quitter nous. De corps, oui, il quitte nous. Mais en esprit, toujours avec nous. Amen. Et il en mesure. Li en mesure pour le guérir nous, li en mesure pour le pardonner nous, li en mesure pour le toucher nous. Et si ou vraiment rentrer dans lui-même, quand ou tout à l'heure là, sous t'es rentré dans l'ouange, ou t'as senti touché. Amen. Sous t'es rentré dans l'ouange, ou t'as senti que gon bagaille qui dans ou même qui pas venu de à terre, mais qui vini d'en haut. Amen. Jésus est capable de transformer. Alléluia. Jésus est capable de fortifier. Il est venu pour fortifier. Il est venu pour relever. Amen. Et dans le témoignage de Saint-Nicolas, il se dit que Jésus, c'est le seul monde qui est capable de lever le monde en dignité. Amen. Parce que Jésus levé. Et dans plusieurs de nous-mêmes, Jésus levé nous. Jésus relevé nous. Gloire à Dieu. En pile dans nous, Jésus revient nous. Même là, nous pas témoigner, nous ne devons pas témoigner public, mais là, nous témoigner avec, parler avec Zami nous. Nous devons dire moi-même, Jésus levé, mais comment Jésus levé? Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus fortifié, il levé. Pas oublier que toute promesse, ça, yo là pour moi-même avec vous. Amen. Tout bagaille possible pour si là qui croit dans mon Dieu. Alléluia. Et dans parole li. C'est ça que fait bon Dieu mettait à disposition nous. Bon Dieu mettait à disposition nous des âmes de gros calibre. Nous tant des âmes à chanter Haïti, mais âmes ça qu'a chanter Haïti pas qu'a paraître devant âmes que mon Dieu mettait dans main nous. Amen. Donc faut nous mettre nous dans bon Dieu, faut nous camper bien devant bon Dieu pour nous camper examen ça yo. Des âmes de gros calibre, des âmes qui puissants que qui plus puissants que ça les hommes fabriqués. Qui zam ça yo? C'est ça n'a pas de M12, M16, M14 non. Zam ça yo, c'est le nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu mette la main nous comme zam. Bon Dieu mette la main nous comme zam, la parole de Dieu. Amen. Bon Dieu mette la main nous comme zam, la prière. Bon Dieu mettez la main nous comme âme tout puissant la foi. Elle mettez la main nous comme âme. Ça n'a pas fait là aujourd'hui le jeûne. C'est âme ça que bon Dieu mettez la main nous, des âmes de gros calibre qui ca aller loin côté nous pas même connaît. Oh yes. Aujourd'hui, moi je vais parler avec vous de l'ABC du salut, de l'ABC de la vie éternelle. Nous connaissons dans l'alphabet ça, alphabet a commencé A, B, C. Eh bien, pral parler de l'ABC du salut, de l'ABC de la vie éternelle. On nous prend Jean 5, verset 24. Jésus dit nous, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous avons deux verbes que nous utilisons tout le temps. Et dans le verset ça, Jésus dit que monde qui croit a la vie éternelle. C'est le verbe avoir. Ça veut dire gagner. L'on dit a, c'est ça me gagner. C'est ça me posséder, c'est ça que l'on même non. Et puis il ajoutait, Jésus ajoutait que moun sa qui gagne la vie éternelle là est passé de la mort à la vie. Qu'on a fait son hier. C'est son hier. Amen. Ou te gagne son gagner qui veut pas voir là et il utilise verbe être là, ça veut dire son hier ou passer de la vie.
de la mort à la vie. Amen. Parce que vous croyez dans Jésus. Deux titres sa yo, pas quitter aucun doute. Parce qu'on pas joindre ou pas joindre si la donne ni peut-être. Donc le nous recevoir Christ comme sauveur, comme berger nous, comme conseiller nous et que nous accepter conditions lio, nous capables réjouir parce que nous sauver. Et cela pour l'éternité. Eh bien, condition que Jésus propose nous, c'est l'ABC du salut. A, dans ABC, c'est admettre ou c'est péché. Romains 3, verset 10, qui dit il n'y a point de juste, pas un seul. Jésus a annoncé deux faits actuels. Jésus va nous deux faits actuels. Il dit celui qui croit a, il pas dit aura. Il dit il est passé et non il passera. Ça veut dire pour tout temps, il pas et un résultat de démarche nous. Et ça que les Inuits, c'est pas un résultat de démarche nous yo, mais c'est un don que mon Dieu fait. Je dis à si là qui confie le nan bon Dieu ya, si là qui confie le nan Jésus ya, les vin petit bon Dieu. Même quand on confie au nan Jésus ou vin petit bon Dieu, c'est ça qui relève nouvelle naissance là. Là nous aller qu'on y a là nous continuer d'aller dans Béa. Béa li basé sous la foi nous dans Jésus. Jean 6 verset 47-48 dit nous. En vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Croire dans Jésus c'est quitter regard sous lui. C'est écouter, c'est étudier parole lui, c'est chercher pénétrer pensée. C'est vivre Jean que lui montrer noir et Jean lui mandé noir. C'est vivre dans totalité l'amour lui. L'amour que lui montrer noir qui te mène jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Côté l'amour ça te vient triompher de la haine. Jésus doit tourner pour nous une référence. Il doit tourner pour nous une perspective. Priez, méditez les écritures, mais comment ou capable coûter? Mais comment ou capable garder mon nom yon l'autre gens? Lorsqu'on coûte Jésus, ou quoi dans lui, ou qui te regard fixé sous lui-même qui élevé à la croix, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Ou tourner yon monde nouveau, dans yon monde nouveau, avec des perspectives nouvelles. Parce que te gen yon avant et yon après. Ça veut dire que accouchement, il était peut-être douloureux. Là, nous dit accouchement, c'est passage de la mort à la vie, passage du péché à la sanctification, son accouchement lié. Gen pour moun, accouchement t'est fait bien facile. Gen pour l'autre, accouchement t'est tellement difficile. Son césarienne, moi, t'es obligé de faire pour lui. Et c'était tel le cas de et Saul sur la route de Damas. Son accouchement, bon, et son césarienne, moi, t'es obligé de faire pour Saul. Gen moun tout, c'est avec forceps. Bon Dieu obligé prend yo parce que tellement rodomont. Donc accouchement, il était peut-être douloureux, il était peut-être duré longtemps, mais seul ça que nous devons connaître, nous devons et expérimenter, c'est que la vie éternelle là, li là. Nous pas besoin petite semblable à papa.
mais nous besoin heureuse couche. Eh bien, le nous accepter Jésus, nous fait heureuse couche. Le nous quitter Jésus, rentrer dans la vie nous, nous fait heureuse couche. Le nous quitter Jésus, prendre contrôle la vie nous, nous fait heureuse couche. Parce que la vie éternelle là, li là. Qui donc? Vie pour tout temps, li déjà là, li actuel. Vie actuelle, c'est vie que bon Dieu bail croyant. C'est une relation vivante, une relation spirituelle, une relation confiante entre que l'Éternel et que relation confiante, relation qui dure tout le temps avec bon Dieu là. Moun qui pas croit, nous on s'accrivel, moun qui pas croit, li mouri oui. Amen. Li mouri. Parce que li pa nan aucune relation avec bon Dieu. Et moun ki kwè, même jan mwen même avec quoi ki kwè, nous gen la vie. Amen. Parce que nous gen relation de communication avec bon Dieu. Amen. Donc certitude vie éternelle là ou pas capable gagner comme ça. Ou pas capable gagner comme ça, ou pas capable gagner comme ça tout. Ou capable gagner et comme ça tout ou pas capable gagner tout c'est ça que fait dans premier épître Paul t'a écrit Timothée a lui t'a dit Timothée saisis la vie éternelle lui t'a dit Timothée saisis la vie éternelle et tout le monde nous toujours attendre expression ça yo donner la vie avoir la vie sauve perdre la vie et bien qui te me dit c'est comme ça la prier pour vie éternelle là. Li possible pour gagner et comme ça tout li possible tout pour pas gagner. Si on invite, faut qu'on invite Jésus pour venir rete la caille. Et c'est là que on joindre le C de l'ABC. C'est là inviter Jésus venir la caille. On joindre le C de l'ABC comme tu parles là. Le C de la BC, vous devez confesser ses péchés et rejeter. L'homme rejeter, ce n'est pas comme si vous prenez dans le salon, vous mettez dans la chambre, non? Ou bien vous prenez dans le salon, ou dans la cuisine, ou vous mettez dans la toilette. Non, non. L'homme rejeter ses péchés, c'est pour voir. C'est comme si je suis là, moi-même qui était mon C à la, il faut que je prenne péché ça. Moi, je voyais loin, je voyais Florida, je voyais le côté que je ne suis pas capable d'aller, côté que je ne suis pas songer. C'est pour voir loin de nous-mêmes. Péché qui empêche nous et joindre vie éternelle là, voyez loin, jetez loin de nous-mêmes, très loin. Dans Acte 17, verset 30, nous jouons une parole ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Les paroles là. OK? Tant d'ignorance, hein? Bon Dieu capable. L'autre ignoré, son tap fait, c'était yo pas de bon. Mais qu'on y a connaît. Et si vous connaissez qu'on y a là, ou besoin pour repentir. C'est l'offre qui demande ça. Que vous êtes capable d'inviter Jésus la caillou. Bien-aimé qui te dit, expérience vécue. L'orgue Jésus. Ou senti ou bien. Amen. Ou gagne la paix. Amen. Avec une joie qui déborde dans le cœur tout le temps. Amen. Ou sent tout léger. L'op marché, y a commencé ces petits oiseaux, y est tellement léger. En y est pas ébranlé ou. Amen. Moi-même, moi, quoi que sensation ça, c'est sensation vie éternelle là. Mais, l'op sans Jésus, l'op sans Jésus, ou pas, y'a qu'en la joie dans vous-même. Yep. Ou toujours fâché. Ou toujours excité, toute bagaille nuit, ou toujours sous des blousailles. Mm-hmm. Ou pas jamais content, et puis cœur toujours rempli avec tout sac négatif. Tout sac négatif, c'est cœur rempli avec vous. Ou pas jamais un bagaille bien. Même là, on vient de parler, ou même ce côté négatif, là, toujours, ouais. Ou pas jamais un côté positif. Là, le sa forêt, pour chita, pour poser tes questions. Est-ce que Jésus, là. De pour ou comme ça, Jésus pas là.
et tout de suite courir chercher le. Courir chercher le, repentir pour Jésus capable de rentrer dans la vie. Qui t'aime dit aujourd'hui, ou à méditer deux versets ça. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est dans Jésus qu'on joigne la vie éternelle là. C'est dans Jésus qu'on joigne la vie éternelle là. Ou pas joigne ni dans l'autre monde. Ou joigne la vie éternelle là. Et lisons, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 11, 12. Pour le croyant, vie ça a commencé ici-bas. Qu'on y a même, vie a commencé. Aussitôt que le regard tourne vers la croix, sur le Fils élevé, et que vous croyez, vie éternelle a commencé pour vous. Bon Dieu, pape, tant de nous mourir. Pour lui rester avec nous. C'est qu'on y est, lui accompagner nous, lui accompagner vie nous pour tout temps. Et déjà que nous commençons à jouir de vie éternelle là. Et ça, c'est pour cela qui regarde au Christ, parce que lui changer mode de vie, lui entrer dans une nouvelle vie. De ça, ou entrer dans une nouvelle vie, ou traverser une nouvelle naissance. Et pour qui ça, ou ap hésiter toujours. Peut-être ou capable ou elle trop facile. Peut-être ou pensez que le trop, li trop beau pour être vrai. Vini. Vini ou même qui là. Ou même qui poko goûter bonheur ça. Ou même qui poko fixer regard sur Jésus élevé à la croix. Ou non menon Jésus tout temps. Oui ou non menon Jésus. Mais ben, ou toujours été dans vie pratique ou yo. Mais si ou été dans vie pratique ou yo, ou pourquoi connait Jésus? Parce que du moment que ou connait Jésus, du moment que ou regard Jésus qui sous la croix, li croisé avec regard pa ou, et puis li dit tout est accompli, laisse ça, ou pas capable rester dans saleté, ou pas capable rester dans idolâtrie sous quelque forme que lié, ou pas capable rester dans mendicité, ou pas capable rester dans l'obéir là, ou pas capable rester dans tout ça pas bon. Non. Parce que regard ça qui croise regard là, lui insuffler dans vous-même la vie éternelle. Donc faut s'en souvenir bien. Pour qui ça va hésiter toujours? Pour qui ça va faire philosophie? Vini me dire, m'a pour dire ça encore. Vini, pas perdre du temps. Pas attendre demain, parce que demain pas pour vous. Et m'a quitté avec verset ça. Rejoignant 1 Jean 5, verset 13. Tout cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves.
Nous croyons en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Amen, amen, amen.